Ça déjà. On dit de l'avant ah, <laughs> de. La Allô tout le monde, bonjour. Aujourd'hui je suis avec Eliane Gagnon. Allô Eliane! Allô Alex Martin! Ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va. <coughs> je suis super content parce qu'aujourd'hui, on a une invitée. Mm -hmm. Que je ne connais pas beaucoup, mais je sens que ça va être une super belle découverte. Toi, tu la connais un peu plus. Ouais, moi, je la connais intimement. <rire> <rire> OK. Ça va <laughs> <fait> bien. <laughs> Écoute, euh, on pourra surfer là-dessus tantôt. Mais non, mais c'est une bonne amie. On ne se connaît pas depuis si longtemps que ça, mais c'est une femme que, 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 que j'ai découverte et que j'aime beaucoup, en fait. Puis, euh, elle a été, entre autres, mannequin pendant longtemps. OK. Euh, c'est une, une grande femme. Puis, j'ai. Une préface qu'elle a écrite d'un livre qui s'appelle. Ah, parce que c'est ça, c'est son livre. Non, c'est euh, Victoire Masson d'Auxerre avec euh, Valérie Perronnet. Préface de Charlie. Je dirais pas son de mmh. famille parce que je suis venu voler le punch. Mais donc, c'est elle qui a écrit la préface. Oui, exactement. Okay, ben, on la présente-tu Non, non, c'est ça, j'aurais lu la préface avant. C'est ça l'idée que je t'avais dit. Okay. Mais <laughs> ça me dérange pas. On, on peut bien. On... Mais non, mais vas-y, je trouve ça intéressant. OK. Donc, euh, préface de Charlie. La lecture du récit de Victoire m'a un peu perturbée. J'ai eu l'impression de lire ma propre histoire. J'ai toujours été la grande mince de mon école. Je n'avais jamais eu en tête de devenir mannequin, mais même si ma mère en a fait sa profession avant moi. Comme Victoire, j'ai été recrutée dans, les, dans la rue à Montréal et je suis partie directement pour New York avec l'une des plus grandes agences. Je me rappelle très bien m'être fait dire sans arrêt pendant ma jeunesse à quel point j'étais trop mince, que j'allais casser ou partir au vent. Alors, quand mon agence m'a demandé d'avoir de plus petits bras, que je trouvais déjà trop maigres, et de perdre du gras autour des hanches, j'y comprenais plus rien. Après avoir reçu de multiples avertissements de mon agence et à force d'être entourée d'autres filles du milieu, j'ai fini par croire que je devais vraiment perdre du poids. Je ne peux pas nier que j'ai aimé le travail de mannequin plus que tout au monde. J'ai tellement appris sur moi, sur la mode. Mon rêve était de devenir designer, car c'est le domaine dans lequel j'avais étudié. Pour me rapprocher de ce rêve, j'ai senti que je n'avais pas le choix de perdre du poids et que c'était normal d'être maigre. Voir chaque jour de jeunes filles inventer de nouvelles diètes et faire de l'exercice toute la journée est devenu une routine pour moi. Je comprenais plus les gens qui pouvaient manger sans compter les calories, sans s'en faire. Je ne me sentais pas malade, c'était juste la norme. Dans tous les domaines, il y a toutes sortes de gens et on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Je l'ai compris très rapidement. Je me souviens très bien d'un jour en particulier qui m'a chamboulé. Je devais me présenter à différents castings. Pendant le premier, on m'a dit que j'avais le potentiel pour devenir une top modèle. Et au casting suivant, on m'a demandé si j'étais enceinte. Je me demandais dans quel monde je vivais. En quelques instants, je suis passée de la fille fière et heureuse à celle qui a peur de prendre le métro par crainte du regard des gens. Je dénonce aucunement le monde du mannequinat puisque c'était mon choix d'y entrer. Cette expérience repré représente une grande partie de ma vie et je ne voudrais jamais l'effacer de ma mémoire. D'ailleurs, je travaille encore dans ce domaine, mais maintenant c'est moi qui fais les vêtements. J'ai l'impression que la bagarre au sujet du poids idéal ne finira jamais. J'ai pris environ 30 livres depuis que je suis partie de New York et on me dit encore parfois que je suis trop mince. Aujourd'hui, les gens trouvent normal de critiquer les autres sur leur apparence. On se cache derrière nos écrans et on se permet de juger les autres sans pour autant montrer son vrai visage. Je crois sincèrement que chaque personne est magnifique à sa manière. On a tous notre propre beauté et notre propre façon de la définir. Un jour, j'en ai eu marre de chercher à plaire à tout le monde, alors je suis devenue qui je voulais être et j'en suis fière. Je suis contente de lire que d'autres mannequins de ma génération, comme Victoire, ont osé faire de même. Charlie Payet, ex mannequin et créatrice de Charlie Payet Lingerie. Allô, Allô! Allô Charlie. Les <laughs> <rousses> sont partout. Ah, <laughs> oh, c'est beau, c'est vraiment beau. Oh, Dieu, j ai j ai <laughs> C'est moi qui ai le goût de pleurer, tu sais. C'est rempli de vérité, oui. c'est audacieux, je trouve aussi. Ouais, ouais, vraiment, j ai, j ai, ça m'a vraiment touchée. On euh, dirait que je lisais vite, je voulais pas prendre trop de temps. Mais, mais, je voulais pas le lire par avoir peur de pleurer. puis En, en, en regardant, le, 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 en t'écoutant lire, Simonac, je pense c'est moi qui ai envie de pleurer. Ben oui, non, mais c'est parce que c'est criant de vérité, comme tu dis. C'est criant de vérité, c'est très, très, très personnel à toi. Ben c'est oui. quelque chose qui, qui t'a habité, tu sais. Mais ça, c'est juste un... J'ai lu un petit deux pages, là. Moi, c'est quasiment sur 15 ans de ma vie, là. De, 15 ans de mannequinat? Oui. Ben, 10 ans de mannequinat, plus, mettons, le après, ouais. que, que, que j'en fais plus maintenant ma profession. Ouais. Tu sais qu'il y a eu le après, puis... Ouais, de, dont on va parler, puis après... Ouais. Ben, dans ton cas, il y a plusieurs. Puis après, j'ai l'impression, ouais. on avait parlé euh, au téléphone de, de, du puis après, la, 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 la sécurité financière, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui se fait dans ce domaine-là. Oui. Tu passes mont, de, de beaucoup de sous à plus rien. Ben, pas plus rien, mais en tout cas. Puis après, <laughs> pis après les troubles alimentaires ouais. qui ont ouais. été ouais. vraiment marquants dans, dans ta vie. Donc, la boulimie, l'anorexie. Tu peux-tu nous décrire un peu, c'est quoi les deux, euh, la différence entre les deux? De un? Ben, ben je, regarde, je vais com commencer par le, le commencement, comme je disais, mettons, dans, dans la préface. Quand je suis rentrée dans le monde du mannequin, du mannequinat, euh, moi, j'étais certaine qu'elle qu allait me dire Ben, qu'il va falloir que tu prennes du poids. Je me trouvais tellement déjà maigre, puis, tu sais, hey, toute ma vie, je fais quasiment six pieds. Là, fait mm. que, je mange, 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 puis. Puis, euh, c'est là maintenant que. Quand je suis rentrée dans l'agence, qui m'ont dit. Ah là, tu tiens-toi comme ça parce que tu sais, t'as un, un petit menton. Jamais de ma vie, je me suis fait dire que j'avais un double menton, nanana. Puis, tiens pas trop tes bras proches de toi parce que, tu ça commence à apparaître. Ça fait un petit, euh, un petit truc à côté, nanana. T'as quel âge à ce moment-là? Là, là j'avais 19 ans. Oh my God. Hey, C'est quand même le quel âge? Là. 35. OK. Tu 25 ans. Tes petits bras, on voit que... Ben, voilà. Hey, hey, en plus, là, je disais comme dans le livre que j'ai 30 livres de plus. Aujourd'hui, j'en ai 45 de plus. Wow. as ce qu'à 19 ans. Oui, mais ben quand, quand, que... Tu quand, quand, mettons, 25. OK. À 25 ans. OK. Ouais. Tu as 45 livres de plus qu'à l'âge de 25 ans. Oui, donc 10 ans ont passé, puis tu as pris 45 livres. Exactement. Après ton aventure de mannequin. Mais tu sais, là, il y a eu. Des... Ouais. ouais. Call in. Fait que. Euh... Excuse-moi, c'était quoi ta question? Ben, je dans sais... le fond, de, 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 le... Comme... de, de nous différencier l'anorexie et la boulimie, okay. de un. Oui. Le trouble en tant que tel, juste pour nous mettre en contexte. Oui. Par... OK, oui. Fait que, donc, c'est ça, quand j'étais à l'agence, ils me disaient de perdre du poids, perdre ouais. du poids. Fait que, là, je commençais comme à couper euh, les calories, nanana. Puis là, je voyais que toutes les mannequins étaient végétariennes. Fait que là, je me suis dit, comment, ah, crème? Plus tu. Là, j'ai comme. Éliminer les produits animaliers. Et boy. Fait que là, bon, végé. là, hop, oh, je suis tombée vegan. Puis là, oh! raw oh vegan. My God. Fait que je oh mangeais que God. des fruits, que des légumes. Nanana, nanana. Puis là, tu sais, tu te coupes, tu te coupes, tu te coupes. Puis là, en plus de ça, je pas oublié que je faisais du hot yoga pendant 1 heure et demie le matin, une heure et demie le soir. J'allais courir entre les castings et je ne prenais presque. Là, j'habitais dans Manhattan dans ce temps-là. Oui. Je prenais rarement le métro je marchais partout on parlera pas de l'histoire de l'état de mes pieds je ne wow. faisais que marcher même s'il si faisait à en New York là, je veux dire il peut faire euh, extrêmement chaud ouais, ben oui. et euh, ouais. c'est très humide ben puis oui. moi, je marchais avec mes gros Doc Martens parce qu'il fallait aussi que je reste la petite euh, la petite, la petite ben oui. Ben oui, fait que euh, fait que là, c'est ça. Ta, 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 ta. Je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Mais là, maintenant, ton corps, il est comme plus capable nécessairement de. de... Pas ton corps, mais te, te, tout ce qui Ton là, être. Tu être folle. Tu sais, c'est comme euh, dans n'importe quoi. T'es carencé es... à côté. là. Mais c'est toute exagération. Il y a une petite fin à mener. Puis ah, là, pète des crises, mais des crises. De, je parle pas de crise... D'anxiété, euh, d'angoisse? De... Non, 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 de, 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 de bouffe. OK, des, des... Et je pouvais manger. Des boulimies? En une journée, ouais, une crise de boulimie. Ouais, ouais, C'est là que je m'en allais. Une crise de Je pouvais manger en sept heures ce que j'avais pas mangé entre Pendant deux... 2009 à 2012. Oh my... J'allais hey, dire deux hey, semaines, mais toi c'est trois hey, ans. Non non non, je fais manger. C'est moins finalement eh, là. Non non mais y a plus que c'est plus fait... que ça. C'est des binges là. Je vais ah des... manger un. un... Qu'est-ce que tu mangeais Et... mettons? Eh, pas des sucres? Des euh... Ah je vais aller ah mon Dieu je vais me commander du de l'indien je vais avoir des plats des plats des plats des plats du pain du pain du pain Pis de, de, de j'allais me chercher des des hey Colin, excuse-moi je trouve pas mes mots mais, non, là, non, des mais... sandwichs des n'importe quoi des gâteaux de... Ouais, ouais. Des... pour de vrai la table elle aurait pu être pleine là, je te l'aurais fini Wow. Okay. mais là après ça vient l'après que là tu le regret mm -hmm. mais moi au début je connaissais pas euh... ben en fait j'étais pas capable de me faire vomir ok ok fait que moi j'ai <laughs> Je des laxatifs. Oh. Fait que quand je savais que j'allais avoir une crise, je me pétais une palette, saute grosse, de laxatifs. Je pense que c'était comme 24 laxatifs. Deux, tu peux avoir extrêmement mal au ventre. 24, on s'en reparlera. C'est pas dangereux pour la santé, <laughs> ben, ça. J'ai pu... j'ai pu j'ai, j'ai, T'as plus de gloire intestinale, ben, ça, ça a été long avant de m'en remettre. Oh my God. J'ai pu de clapet. Hein? Parce que ça me brûler l'intérieur j'ai eu des des ulcères encore aujourd'hui des ulcères là j'ai encore mettons c'est pantoprazole pantoprazone, je sais pas exactement pantoprazole ouais mais mon estomac je veux dire j'ai eu des trous j'ai même là j'aurais dû le noter je me rappelle pas du nom reflux gastro ça ressemble à ça. en fait j'avais des vrais trous dans l'estomac puis là ma bile remontait c'est ce qui a fait brûler « Hey, bon appétit tout le monde. <laughs> » <laughs> Effectivement. Je parle de laxatif puis de reflux gastrique. Il... Oh mon Dieu, mais moi, euh, je vais <laughs> te laisser continuer, mais la souffrance... Hey, c'est capoté. Mais, comme je dis, je... si c'était si pire que ça, si j'étais tant dans le danger, j'aurais très bien pu partir... T'sais, personne qui me tenait avec des chaînes à mon lit, faire comme tu vas être mannequin. Oui, oui, oui. Je le voulais. Je le voulais vraiment. Tu voulais quoi exactement pour te rendre là? C'était-tu une question monétaire? C'était-tu le, 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 le trill? C'est ça, ouais, la reconnaissance? Un, mais... un doux mélange de tout, je okay. dirais. Euh, tu sais, moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours rêvé. Moi, c'est être designer. Mon ouais. Depuis j'avais 4 ans, ma mère, elle me filmait. Qu'est-ce que tu fais faire plus tard? Je vais faire des vêtements appelés Madame !» Fait que, <laughs> ça, euh... <laughs> ça. Bon, avec un. <laughs> un autre accent. Avec un autre accent, oui. là. Et... De Shawinigan. Ouais, ben, ouais. c'est ça, gars. Même si, euh, gars, je suis partie de Chowin <laughs> quand, quand j'avais 17 ans. C'est encore. Et j'ai habité partout à travers le monde. Mm. Et j'ai encore l'accent de Chowin. OK. Mais pareil, qu'ils vont en France, qu'ils reviennent, c'est comme, ouais, non, mais du coup, c'est parce que, tu sais, j'ai passé trois mois en France. Ça... <laughs> Non, je suis comme moi, ouais, non? Non, ça y est, c'est. Oui, il est encore là. Ça Je suis assez fière de ma ville. Bon, fait putain. que là, tu es à New York. Oui. Tu t'empiffres solide. Ah Oui. Mais tu là, es pendant 10 ans à New York, juste pour mettre en, en, con, euh, en, pas en contexte, mais mettons timeline. J'aime bien les timelines. Mettons, euh, en 2009, je suis partie à New York. 2008, okay. 2009. Puis, j'habitais là pendant quelques... En fait, c'est ça. J'étais censée partir pour un essai. OK. Pour deux mois. Là, finalement, je restais officiellement sept ans. Quand même. Un très, très, très long deux mois. Mm -hmm. <laughs> Puis, euh, après ça, ça, je suis partie à Singapour prendre un petit bout. Puis là, les fashion weeks sont arrivés. Fait que, tu sais, j'ai fait euh, Paris, Londres, Milan. Ouais, ouais. Euh... À combien de livres, là et, OK, le plus mince que j'ai été, je dirais que euh, c'était à Paris. Et en plus, j'ai emmené des petites, des petites photos pour vous montrer ça. À Paris, euh, c'était le plus mince que j'ai été parce que je, je, ça faisait tellement de jours que je faisais la Fashion Week, puis la dernière Fashion Week, c'est à Paris. Et... Euh, Décalage horaire plus zéro temps de manger, t t es, t es, le stress est tellement lourd dans ton estomac que il oh, aurait fallu me payer extrêmement cher qu'à un verre d'eau. Je t'ai rendu là. Ok, okay ben, j'ai une question niaiseuse par rapport à ça. Il les, a zéro compétitions, les compétitions, les compétitions, culturistes tu ils ont tout un rituel comme oui. une coupe de semaines avant la compé. Il là, faut qu'ils réduisent, Il ne faut que faut pas qu'ils aient, la peau là sont ouais. au bout pour que OK, mais toi, d'abord, Fashion Week, là, as tu faut-tu que tu changes complètement tes habitudes? T'avais-tu un, rit un rituel de inhumain parce que là, bam, t'avais les choses? Ben, moi, c'était le hot yoga qui me faisait suer énormément. Pas suer dans le sens, euh, me fâcher, Mais vraiment mm -hmm. oui. 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 suer. vraiment ouais. suer dans le vrai sens euh, du terme. Rendu, comme je disais à Paris, dans le temps que j'étais le plus mince, je m'entraînais plus, là. À ce moment-là, j'avais juste pas le temps, j'avais même pas le temps de manger ni de boire de l'eau, j'étais tout le temps pas de force non plus, j'imagine. Ben... la force c'est l'adrénaline. Mmh. L'adrénaline puis tu roulais là-dessus genre. Ouais. Okay. Cortisol. C'est les rares fois, tu sais, je veux dire je suis pas une fumeuse, là. mais c'est à ce moment-là que des cigarettes j'ai j'ai enclenchais juste pour me Donner ça un... te donnait un... comme ça te pompait quasiment le cœur que ou ouais. ouais. oui. ça oui. fait là, exact. Ben, J'avais tellement pas soif que même boire du euh, aye, aye, aye. Euh, Mais du tu pesais combien, ou... okay, ouais. euh, Je pesais 96. 96. Je, je fais 1m81. Wow. Hey, ouais. Ouais, ça, c'était le plus mince que j'ai eu. Et euh, ça, ça a été aussi les années où je n'ai pas été menstruée pendant quasiment 5-6 ans, je dirais. Là, les gens trouvent ça... Dans l'industrie ah ouais. du mannequinat, les gens trouvent ça beau. Genre moi c'est ça, ça normal. normal beau parce que c'est c'est tellement difficile à expliquer je... c'est juste comme ça genre mais on dirait que c'était rendu que plus que j'avais l'air maigre et malade plus que je me trouvais belle parce que plus que mes agences me disaient Honey oh, oh my God Honey you look so good j'étais comme j'étais un petit peu en train de mourir là mais c'est correct hein? C'est <laughs> pas Mais tu continues tu, quand même ben oui. à t'auto-infliger ça. Attends, là. Tu sais. J'imagine. <laughs> ça va? Il faut bien en rire quand même. C'est vrai. Il faut en rire, mais... mais c'est tragique là quand mais tu y mais penses. Bien, tragique. Je veux mais dire, non, mais moi j'adore en rire. Tu sais, c'est sympa. peu là, on s'entend. Mais il y, y a des gens proches de toi, mettons ta famille, qui sont pas dans l'industrie, ouais, ils s'inquiètent. Ils font plus. comme. Euh, euh, ben ben le, oui là. Qu'est-ce tu, con... tu sais? Ben oui. Puis tu consommes aussi à ce moment-là? Tu consommes de l'alcool? Non pas du tout. Je consomme à peine de l'eau là. Moi c'était. C'était juste tu mangeais pas. De l'air et des cigarettes. Ok mais je veux dire tu te ramasses pas à l'hôpital rien je veux dire t'es ben, pas. hospitalisé? Regarde, on sort des, notes, des étapes. Là, là voilà. finalement, je pense que je vais juste tout euh, dans le même temps. Vas-y. <laughs> 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 Moi aussi. Moi aussi. Ah. Bon, c'est fini? Non, est mm. <laughs> hey, on est loin d'avoir fini. <laughs> c'est une joke. <laughs> euh, oui, euh, tu as peu, euh, ok Mais... Oui, quand je suis allée, je venais juste d'avoir mon visa. Je ne sais plus tant à quelle année. Non, non, non. J'étais à chez une Garden pour passer Noël avec mes parents, et là, je pogne le streptocoque. Parce que là, à la grosseur que j'avais, j'avais zéro vitamine dans le corps, t'aurais pu euh, me ouais. tousser es vulnérable. à 17 km, j'aurais pogné de, ouais. de quoi. Là. Ouais. Fait que, est-ce que j'exagère jamais, là, pour ça? on peut Non, on avait. Euh, <laughs> non, moi, écoute, je prends tout pour du caca. Ah, OK. Là. Il y a même, OK. Euh, tombé, elle tombe bien, n'est pas. Non, c'est pas grave. <rire> <rire> fait que euh, je tombais extrêmement malade, mais malade sur un genre, j'ai été à l'hôpital, puis j'avais tellement perdu de poids, en plus d'être extrêmement déjà mec que, tu sais, j'allais au spé de famille de Noël. Tout le monde est tu n'as pas Non. Ça <laughs> <Tant> bien, non. <laughs> puis, euh, fait que là, il fallait que je retourne pour aller signer mes papiers pour mon visa. À New York et euh, j'étais avec Next New York dans le temps. Ce que j'arrête pas de, tu vois, c'est mon, mon petit aussi j'arrête pas de faire le, le tour du Corée. Euh, quand que j'étais à New York, je montais, c'est mon agence Next, c'était au troisième étage. J'avais tellement pas la force de monter les marches que j'ai pris l'ascenseur et j'ai eu le temps de perdre connaissance. Dans l'ascenseur. Ah, Mais l'adrénaline, ça m'a comme réveillée. Puis là, j'ai comme fait tout numéro 3. Fou, je me relève comme ça. Puis là, les portos, là, j'étais comme pas, pas connaissance, je pas J'avais peur. Ok, une autre fois, je compte après. On en... parle de connaissance, retenez ça. Et euh, les puis là. Le plus gros stress, c'était pas avoir la niaiseuse devant les 50 agents. Tu les, les, as les bookers, tu as ah les, ouais. agents, aussi, les, les, les agents, tu avais aussi les agents des acteurs, puis tu as aussi d'autres mannequins qui sont là. Puis là, c'est là que mon agent arrive, puis qui est comme. Oups. C'est comme. Oh, Merry Christmas! Et je reviens de mes trois jours de Noël à Shawi, dont je suis extrêmement malade. Puis c'est là qu'il me dit. You're so perfect right now. Never change. <laughs> je suis genre. Waouh. T'es un peu entre ta phrase je pense que j'ai perdu connaissance huit fois, là. J'étais en mode, je vais mourir, là. Je... Mais t'es consciente que tu vas mourir, C'est ça que j'allais dire. Mais, mou... mais. Mais je comprends que tu veux dire par. Pas dire... mourir, littéralement, mourir, mais j'avais. Non, mais t'as plus d'énergie, tout le monde des... autour de toi t'a dit que t'es pire. Ben, ça. Comme ça. Oui, ça, Mais toi, tu sens que. si, ouais. ça va pas, Mais ben, le gars qui me dit que es parfaite <laughs> comme ça, c'est le gars qui va me dire que t'as une job demain, là. En 12 heures, ça vas te faire 30 000 12 heures? Ah oh, oui! Ouais. OK, c'est tant que ça, là. Ben, tu peux faire une pub pour. Euh... 150 000 Ah, ouais, ça, par exemple, moi, j'ai jamais eu la face de la fille qui fait. Euh... La... Vichy ou. ouais, ouais, ouais Non, ouais. non, non. Moi, j'étais plus comme. C'est des revues, des... Ouais, mais tu euh... fais un cover de CoverGirl, mettons. Ah, oh, ça pis... paye pas. Ah, oh, CoverGirl, oui. Mais j'ai fait... Euh, j'en hey, ai fait des magazines. J'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait. Euh, j'ai fait à peu près 200, entre 200 et 300 covers de magazines. Ça paye, je te dirais... Le max que j'ai eu pour un cover de magazine, c'est 2500 pièces okay. Puis là, pour 2500 pièces puis sur, mettons, 200 magazines que tout le monde t'a dit, « T'es belle, t'es parfaite pour le cover », toi, tu fais le pas. Ah, non, je fais le pendant tout. Puis en plus, il y a beaucoup de magazines que tu es comme. Quand... Ce qui te paye, c'est de la visibilité. Ben oui, ben oui, c'est sûr. Puis euh, il te nourrit pendant le jour. <laughs> j'ai pas le droit de manger. <laughs> okay. Fait que euh, la visibilité, c'est bon, mais moi, tu sais, moi, je vais-tu à l'épicerie où j'ai à faire comme. Euh... Écoute, <laughs> euh, j'ai pas l'argent pour payer, mais. Euh... On va te faire de la bonne pub sur Instagram. Ouais, ça marche ça. pas comme ça. Tandis que le mannequinat, c'est tout le temps. T'sais, moi j'étais comme la la... Eh, quand, voyons, la, la la. tu sais qui faisait Editorial. Euh... Ouais, ouais, ouais. La Edgy. Non, non, non. Ouais, j'étais pas la fille, la beauté. T'étais pas bea la main. La Beauty Girl. Ouais, ouais, ouais. Ben, mais tu sais, la ben, oui. Mais tu étais la punk. Mais Oui, mais c'est. Pas nécessairement la punk, mais tu sais, moi j'ai fait, fait tout. Le runway que tu peux oh, même pas oui. t'imaginer. Mais non? dans l'attitude, je parle plus dans. Oui, c'est ça. Oui, Mais ça, ça. Oh, oh, oh. ça c'est ça. Ça a été mon trademark. Il fallait tant temps que je ben, sois. J'ai toujours été de même aussi. Là, depuis que je suis jeune, je suis la petite punk. Ouais. Je m'appelais punk de Shawey dans le temps. Ouais. <rire> <rire> ouais. Ah, je ne suis plus. Non. Oui. Un peu. Oui, gars, juste hier, je suis allée. Promener les chiens, puis j'avais mon t-shirt de, de NoFX, puis euh... Oh, on en parlait un peu plus tôt. aujourd'hui pour oh, vrai? Euh, ben, on se disait, euh, en tout cas, c'est euh, une petite parenthèse, que aujourd'hui je suis plus capable, les bains de foule. Je me demandais hey, comment, comment, à 15 ans, j'allais au métropolis pour voir un show de NoFX, coller dans le monde, oublie ça. J'ai dit la même Simonac d'affaires hier. Ah, <laughs> c'est bien drôle. Parce que j'ai été justement, euh, j'ai été promener chien, puis après ça, j'ai été écrire dans un café, parce que tu sais, je dois prendre des petites notes, nanana. Puis euh, le serveur, il me dit, Hey, Noefix, c'est une femme, nanana. Puis je dis, Ben, écrire, mais. Parce que t'as ton t-shirt. J'avais mon t-shirt. Puis il me ça ils viennent euh, dans Pollon, je ne sais plus où. Puis là, il paraît qu'elle s'est déjà bookée. Euh... C'est sûr, va pas là, moi, là. là. Mais non. Hey, moi, j'imaginais déjà en avant de même là, attaque panique solide, mais moi, dans le temps, là, je, je pouvais attendre euh ah. Au, au Tour, là, oui, quand il y a Colin là. Oui, eh, oui. Je... Allait, toi aussi? Oui, oui. Oui, oui. J'allais aussi. Oui, j'allais au Vance oui. souvent. Hey, m en, m en, m en prends... bon, je bon, m'en prends. Oui, je m'en prends. Je me rappelle de mon premier euh, Vance, là. Il y avait euh, Bad Religion, le ouais. Mexique. Oh, Woodstock ah, en Bose. Vous là ou je n'ai jamais été? Non. Woodstock en Bose. Ouais. C'était quoi les autres? Ben, les Oshiaga, mais ça, c'est quand même récent. Oh, ça. non, oh, Shiga, ouais, ouais. non, c'est Vance. Puis euh, yeah, le Taste of Chaos dans le Vance. Slipknot. Ah, ouais, peut Toutes les plus. Pas Hard Rock, mais un peu plus métal. Hard Rock. Ouais, Rise Against. Non. 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 Il y avait comme. Bleeding True, Atrio. Slipknot. Trice. Throwdown. Non. Pas Thrice. Thrice, c'est plus Imo. Ouais, c'est plus Imo. Mais moi, j'étais plus Imo que. Bleeding True. Between the Bureau and me. Je pas. Ok. as okay, ouais, pas. Moi, c'était un uh, Moi, okay. je pas tant hardcore. Moi, j'étais plus ska, punk. Ouais, emo, moi, je suis de skater. Là, tu sais, Fatal Vans, c'était. Ouais. ouais. Mad Caddy, hein. Suicide Machine, et... Kevin okay. ben... Lund. En tout cas. Mais. Ah, euh, <laughs> oh, fait... j'aime tellement ça parler de snow puis de skate. Yeah. <laughs> C'est vrai? Eh. Hey. Hé, hey, j'ai pas fait de snow. Hey, mais... ah, non, on non. était censé y aller mais en plus, ensemble salle de colline. non plus, j'en ai pas fait cette année. Je vous le cas, l'hiver prochain, euh, j'étais oui. achalé un peu cet hiver. Là. À quoi? J'étais achalé un peu, moi, cet hiver. À achalé un peu, pas tant. Ouais. Ouais, pas tant, mais un peu. On en a parlé une coupe de fois. On se boxe l'hiver prochain. N'importe quoi. aller avec vous autres. Mais justement, parlant de ça... J'habite dans une montagne, cest C'est n'importe quoi. Fait que toi, là... Oui. C'est sûr que... Tu peux pas faire. Ça, ça devait être dans tes contrats. Tu peux pas dire, mettons, en fait, ça, semaine prochaine, j'ai pas de shooting ou je sais pas quoi, je m'en vais faire l'escalade, mettons. Oublie ça, là. Je tu, peux, tu pouvais pas en plus faire. Tu... C'est très difficile de prévoir parce que souvent, c'était des last minute calls. Mais tu devrais pas avoir le droit. Oui, ben là, je vais pas m'empêcher non plus de. Tu sais, mettons, j'avisais mon agent dire, euh, mettons, ouais. Vendredi, samedi, dimanche, je m'en vais dans les Hamptons ou je m'en vais à euh, whatever, n'importe où. <laughs> non, c'est parce que moi, les seules places que je vois, c'est dans les Hamptons. Ben Ça oui. avait tellement l'air conquis, mais zéro pin barre. Je veux dire, les fois que je sortais, c'était justement pour aller faire du skate. Euh, dans le les temps, Hamptons. Dans... <rire> 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 Mon skate était en or. Mais... Oui, euh... ai OK. Non, c'est ça, j'avais le droit de partir ou non, non, non. mais tu sais pendant la semaine, il fallait que je sois Probablement, j'avais tout le temps mon maudit téléphone, ça je me suis fait chicaner souvent moi, comme je disais que je faisais du hot yoga matin, et midi, soir quasiment. Il fallait tout le temps que j'ai mon téléphone sur moi parce que ça pouvait être dans 30 minutes. Dans 30 minutes, il faut que oh, tu sois wow. chez Calvin Klein parce que moi j'étais la mannequin maison de Calvin Klein. Oh, wow. OK, wow! Je faisais mes vêtements sur mes sur toi. mes vêtements, les vêtements sur moi. Puis, euh, ça, c'est une raison pourquoi que je ne vais pas ni prendre ni perdre trop de poids. Non, parce ça. que tous les, euh, les patrons étaient faits sur moi. Mm. Fait que... Ils ne le feront pas tout le temps. Fait il faut que tu te maintiennes euh, comme ça. Il dans y avait même. des épingles en simonaque. Tu n'as pas envie de... Mm. Hey, ça, c'est une autre affaire. J'ai été chicanée intensément parce que là, en plus, je suis comme ça. Pendant... Ça dépend, mettons, de 10h le matin à 6h le soir. Je ne vais ni faire pipi. Tu es droite je... comme une barre. Je suis droite comme une barre. J'ai euh, des spots énormes dans ma face parce que tu as tellement de, de petites, de petites mains d'oeuvre qui vont te piner partout. Il faut qu'ils voient tout. Nanana, nanana. Et dis-toi qu'au début, je portais du 8 de souliers. Okay. La seule affaire que je changeais dans toute la journée, c'est la grosseur de la grandeur de souliers parce que j'enflais tellement des pieds parce que mon sein se ramassait. portait des plus doses à la fin. Mais ben oui, on Je finissais avec des doses, j'avais les pieds gros de même. Moi, je partais avec des pantoufles à chaque fois aïe que je finissais aïe. de. Qu'est-ce que qu'une danseuse de ballet mais... qui fait des pointes, là? Je ah, dire... non, mais c'est capoté. Puis le pire, c'est que j'avais pas le droit de boire de l'eau, j'avais pas le droit de manger parce que si mon ventre est gros. J'étais tellement pinette partout. Et euh, si j'allais faire pipi, c'était la fin du monde, là. Aïe, aïe, aïe. Mais, ouais. Hey, Puis après, ah ouais. après ça, comment tu te rétablis de ça, man? De cette image, de cette pression sociale que tu t'es inflig... hey, hey, infligée, en fait, là? C'est. Euh, c'est. Euh... sais tu de la détresse? Oui. Parce qu'on oh, s'en allait nulle, là, là, oh, tranquillement. Oui. Mais... Tu quel genre de détresse qui t'habite? Euh... Mais en fait, c'est. tu sais, Toute accumulation. Trop accumulation on vient mener un gros boom. Là. Ouais. Là, je pense que c'était à la fin, euh, je ne me... sais plus quelle année, mais mettons, ça faisait exactement 10 ans que j'étais à Manhattan. Mm -hmm. Ça fait 10 ans que je me prive, ça fait 10 ans que... Il n'y a pas... Hey, je mâchais ma gomme, là, puis je notais 5 calories. Mais ouais, Une gomme, c'est Je veux dire, tu sais, il y, des... y a des limites. Là. Fait que là, j'ai dit... Là, j'ai eu un gros break-up aussi. Là, okay. Mettons euh, ben, le, le, le gars avec qui j'étais euh, Pendant longtemps? Euh, pendant très, très longtemps à, à New York. Combien de temps étais Avec lui, j'étais peut-être euh, mon Dieu. Je suis pas bonne des années, ah. là. Ah. Euh, ça, mettons je dirais cinq ans, mais tu sais. On a habité tout de suite ensemble quand on était ensemble. Puis lui, c'est lui qui m'a vraiment monté aussi. là mm -hmm. euh, C'est un très, 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 très gros photographe de New York. J'ai eu des vedettes qui sont venues shooter sur mon lit, dont Nick Cave. T'as eu euh, tous les gars de Jackass, dont je suis restée très amie avec John Knoxville. Puis euh, j'ai eu Crime. Euh, Adèle, mm -hmm. son, 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 sa première album. Son premier album. Son premier, premier, album, album. Son premier album. 21 ans. C'est tellement comme anglophone. <rire> <rire> Euh, c'est chez nous, dans mon appart, que son cover. Euh, ah ouais, ouais. ouais tu sais, même à ça, je n'avais aucune simonac d'idée, c'était qui? Donnez Cave, quand il est venu chez nous shooter, la seule affaire, je me suis dit, c'est qu'en fait, hey, il me change des bras chez nous, il va falloir y passer une petite. Mm -mm. Un peu de brosse dans ses cheveux avant de faire de la photo. Puis mon chum, il était quand... comme Tu sais qui? J'avais encore les. Il, il a une brosse quand même dans les cheveux avant de prendre des photos. Parce que moi, j'étais un petit peu la styliste en même temps. Mais en tout cas, ça pour dire que après le break-up, j'ai décidé de prendre un petit break de euh, mannequinat. Ouais. Puis euh, parce que là, j'étais comme. Tu sais, Rendu à 27 ans. T'es vieux, là. Ouais, t'es. Quand, quand j'ai dit à l'agence la, que je voulais un break, ils m'ont quasiment donné une canne avant de partir. Ouais, non, mais... non c'est ça, il y en a fait. Un... Parfait. Il y a une petite fille de 12 ans qui attend dans l'entrée. Parfait. Wow. Que... C'est pas drôle. Ah, non, je. Bon, c'est ça qui est beau, c'est le fait de pouvoir en rire. Non, oui. Je serais pas ici, sinon, wow. là, je serais en train mais de pleurer dans mon. Toi, t'en ris parce que. Ben, j'ai le droit. Tu ben, t'as le droit, okay. mais... <laughs> mais. tu t'en es sorti visiblement, ou... ça te suit ah, encore? Oui. Mais... Tu sais, moi, je suis pas capable d'en rire parce que. Ah, t'as le droit. Oui, mais j'apprends tout rire. ça. Je suis ouais. un, un peu subjugué ouais. tout ça, là, Ça me fait capoter. Là. Ah ouais Oui, oui ben. je, je savais. Tu sais, je connaissais connais un peu les grandes lignes du milieu, Puis je veux dire. On, ouais. on, on, on le sait, là, qu'il y a des choses pas nécessairement saines. Clean. Qui non, mais non. de là, tu sais, tout ce que j'apprends là, tu sais, ma fille me dirait je veux devenir mannequin, je ferais fuck off, tu ah, veux faire autre chose, non. là. Oh, c'est plus pareil mm. aujourd'hui. Moi, je suis la dernière génération oui, avant. Mon Dieu, qu'on dirait que j'ai 97 ans. Moi, je suis la dernière non, non, mais... génération. Non, ça, ça évolue y très rapidement. De... Il n'y oui, avait pas d'Instagram. Oui, il y avait Facebook, mais Facebook, c'est pour euh, Allo, grand-maman, grand, Allô, grand là, Mais je veux dire, il n'y avait pas de. Aujourd'hui, tu vas avoir une bonne job si tu as 1 million de followers sur Instagram. Oui, Moi, ça. dans le temps, c'était par les mensurations à start de photoshop oui, puis c'était pas la fille à... mais il y a moins de tabous aussi au niveau des différences corporelles aujourd'hui tu sais. il ouais, y en a. Il ben, y en faut... a encore, c'est sûr beaucoup. Oui. Mais... Non, mais il y, y, y a différentes niches à guess. Ouais. Ouais, là, c'est comme si c'était pas la fille de Baldwin ou ouais. Euh, ouais. Jenner Alex? ou Ouais, mais ah, ouais, ouais, ouais. Des Astor, vedettes, des filles des de vedettes. exactement. Là, faut que tu sois vraiment connu ouais. genre pour pouvoir te tailler une place. Exactement. Moi ouais. dans le temps j'arrivais avec mon livre. Et voilà mes photos. Aujourd'hui, c'est Ils savent t'es qui? Ils vont sur Instagram. Ah oh, ouais. oui, elle j'avais. Dans... Tu Exactement. Moi j'arrive avec mon ben, gars, je vais vous montrer. Ben oui, mais non. D'ailleurs. Tu le montreras pour que la. Oui. C'est oui. oui. toi ça? Oui. My God. Ben t'as Mais là, on ouais. ben non, mais tu te ressembles même pas. Non, mais ben c'est. Mais qu'elle que... avait aussi les. Attends, les, 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 ça, les là, ça, là, là, dans ce temps-là, dans ce temps-là, c'est-tu la mode Photoshop? Non, okay. il y a zéro Donc, Photoshop ça, dans tout ce que si, tu vas voir. Si tu regardes. Là, gars, tu vois comment je attends, attends, mais Oui, mais on s'entend. T'es absolument magnifique. Puis encore aujourd'hui. Mais tu vois, j'aime mieux, mieux ton visage, ta, tes fait joues Attention à ce que tu vas dire. J'aime mieux tes joues <laughs> là que là. T'sais. Ouais, gars, c'est encore, encore un. Tu vois, Un quoi T'es encore attiré par ça Ouais ben voyons donc ben ça ça va être dans moi tant qu'à être parce que je veux pas juger là ben non voyons donc ben non mais t'es tellement plus belle aujourd'hui minou ah ouais. j'avais aussi je euh, comprends. 19 ans, 20 ans je, là. Con, je comprends le ben, gars, je vais vous montrer le mettons... t'as un peu tchou, 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 ça c'est en Asie ça c'est une autre histoire le creux des lèvres pas des lèvres mais le tu gars veux... ah, je wow. te reconnais même pas check mes hanches ben gars je vais essayer de le montrer ouais. là, là je sais pas si on peut voir là attends c'est pas à es à es à page, la c'est pas je sais je sais je le vois attends Charlie, je te reconnais pas, pis t'as ouais. l'air vraiment plus vieille. Je te reconnais pas, moi non plus. Hey, c'est capoté, hein? T'as l'air plus vieille, t'as hey, l'air... T'as l'air anche là. Ouais. Pis ça, c'est pas des abdos, là. Je sais bien. C'est mes os, C'est comme C'est que n'importe qui, n'importe qui qui regarde cette photo-là va dire, c'est vraiment beau, Puis oui, elle est vraiment belle. Mais maintenant que tu m'as dit ce que ça te prenait, mettons, hey. pour cette photo-là... Je la trouve moins belle. Ouais. Tu comprends-tu? Je ne sais pas si. Ouais, ouais. Mais le contexte alentour. Le contexte dans... de cette photo-là ah, oui. est, est, comme assez tellement... est ah. moins glamour pour moi. Bon. Mm. Ben, la plupart des. Tu sais, ce que tu vois dans les magazines, là... hey, ça, ça c'est un enfant qui me t... ben, fait rire et pas tant que ça en même temps. J'étais dans un appart de mannequin euh... à New York ou whatever, mettons. Ouais. Dans une ville. À quatre portes, j'aurais pas dit New York parce que c'est la place ouais. que j'ai été le plus souvent, mais je vais dire. Il y avait une mannequin une qui avait 17 ans. Oui. Puis elle venait de bouquer une grosse, grosse, grosse pub dont je ne nommerai pas euh, la correct. compagnie, mais ils font des produits pour euh, les rides. Il hum. y en a mille, là, mais. Elle a, elle a 17 ans. La barnaque. Elle fait. On une s'entend n'a pas de rides. contre, là. les rides. Elle n'a pas. Puis dans la pub ben, comme depuis j'ai 40 ans, je me sens tellement mieux depuis que je porte ce produit mais mmh. ben, j'espère Simonac, que ta mère à même pas cet âge-là. <laughs> bon, excusez, je fonche. Mais non, mais tu fais bien. Moi j'ai le monde est pas Le terre, merde, Croyez pas. Regardez-moi, je sais pas regarder. Croyez pas ce qu'on voit dans les magazines ou à mais la télé. C'est yeah. fou. C'est capoté, c'est capoté, c'est capoté, capoté. Puis tu sais euh, j'avais fait un, une grosse somme d'argent que j'avais faite, c'était pour des thés. Des... Pour perdre du poids. Des thés t h -E thé, ouais, ouais, ouais. Du thé, du thé, euh, du thé du pour boire. Ouais. Pour boire, C'était ouais. euh, Exactement. Okay. Ça, c'était une bonne somme d'argent, non Puis, euh, il m'avait demandé d'y envoyer des photos de moi. Il fallait que je mange extrêmement beaucoup pendant une semaine, vraiment beaucoup salée. OK. Okay. Non, en fait, gros mensonge. gros mensonge. Euh, j'ai fait une grosse euh, une diète de, de, de liquide et zéro salé pour être le plus maigre possible. Ouais. Ça, c'était le après de la pub. OK. Fait que là, on a filmé ça. Puis une semaine après, vu que ton corps est tellement en manque, il va tout prendre. Fait que j'ai. Ça graisse plus vite. Oui, c'est ça. J'ai mangé extrêmement salé. J'avais comme je suivais. C'est eux qui me nourrissaient de. de ouais. Pendant une semaine, c'était des jus et de la bouffe extrêmement salée pour que je gonfle le plus. Pour que dans la pub, je fais, voici le avant et le après. Ah. Gros mensonge, c'était oui. le après et le, le... avant. Mais ben oui. Ça. Wow. wow. C'est <coughs> ben, ça. Fait qu'il faut pas tout croire. Euh... Mm. Puis là, tu reviens après ça au Québec. Oui. Après New York, tu reviens à 96 livres et demi. Non, t'es sûrement rendu. Non 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 non, 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 non. T'as peur. Fait que là, euh, à la fin, après mon break-up, ouais, j'ai décidé d'arrêter le mannequinat. faire hein, comme galou. j'ai fait ma technique en sommellerie. Oh shit. Mais attends. Qu'est-ce qui. C'est quoi l'élément déclencheur qui fait que. Oh, c'est le, le break-up qui a fait. Oui, mais j'ai juste. Ouais, J'étais oh, tannée de me priver. Ça fait dix ans que je fais juste comme. De privé. Oui, exact, exactement. Puis moi, j'ai toujours. Ben, tu sais, j'ai. et. Justement, je m'en vais dans le contraire. Je voulais euh, faire des cours de cuisine. J'avais tellement pas mangé depuis longtemps. Faites oh. Fait à manger que. Je voulais juste faire ça, travailler dans des cuisines, dans des restos. Puis pour avoir mon visa, parce que là, mon visa au one en tant qu'artiste mannequin, je pouvais plus vraiment l'avoir. Tu je l'avais encore mettons, pendant deux ans, mais je ne pas pratiquer, mettons, travailler dans des restos. Moi, j'ai mm -hmm. toujours adoré le service. C'est juste puis... comme artiste que tu fais. Exactement. Aimes. Fait que là, il fallait que je fasse une technique Moi, j'ai fait comme crime-sommellerie. J'adore le vin, nanana. Ben ouais. là, j'ai commencé. <rire> <rire> Mais t'en consommes pas depuis très longtemps. Ouais, oh, Ben écoute, euh, c'est <laughs> une chose. En plus, tu suis vraiment en fière, ça fait quasiment un mois. Waouh! Oui! Hey! Un mois ouais. sans alcool! Bravo! Ouais, bien, ben, en fait, gros mensonge, là, ma mère, elle a, elle a fêté sa fête là, deux, une semaine. Fait que je en... fait gâter. Fait que là, j'ai bu du champagne, nanana. Mais moi, j'adore faire justement des mois. Sans alcool. Mais là, tu avais presque un mois, mais tu as coupé un petit champagne. Une soirée. Tu n'as pas échappé. Tu pas échappé. Mon Dieu, non. Ah, mais c'est bon. Zéro pin-bar. C'est zéro. J'ai bu un verre de champagne et deux coupes de vin pour un trou normand. C'est très bon. Comparé à d'habitude. Il y a une différence entre ça et un 40 de votre gosse, le matin. Oui, oui. Ben oui. Puis il faut voir le progrès. Ben oui, mais c'est ça. Il ne faut pas non plus trop. La privation, c'est de la merde. C'est toute exagération. Mais Except... ben, ça, je te J'ai tellement d'affaires à dire, je me mêle. Ça... C'est correct, ah, ben, C'est on est là pour ça je me mêle. Non, mais parle, puis c'est correct. C'est Milan qui revient, là. Hein? C'est Milan qui revient, là? Oh non, c'est Paris. Ah, d'accord. <laughs> c'est parce que oui, du coup, euh, quand je suis revenue. Euh... Euh, ouais, c'est ça. Fait que là, à mais... New York. Mais la privation, c'est la mort. technique euh, en sommellerie. Ouais. Puis euh, là vient l'autre côté de je fais juste tout manger ce que j'ai pas mangé depuis 10 ans. Hey, j'ai tellement pris de poids. Puis là, c'est là que, tu sais, mettons, euh... Euh, comme je ne pourrais pas dire ça... Euh... Mais tu mangeais de tout, finalement. Là, tu, tu as, as dit que la boulimie était embarquée. Là... Ah, nope. non. Pas non? Plus, non, là, y non, il n'y plus. Il n'y en a, a plus. Il plus. Euh... OK. Tu aurais chié. Oui, parce que tu faisais pas vomir. Non, c'est ouais, ça, ça. ça. Tu ne faisais plus chier. Tu faisais <laughs> juste manger. Mais dans tous Mais les sens euh, du terme. Mais je chiais euh, normalement. Mais c'est quand même pas sain, là ton rapport à la c'est ben zéro ça. pin barre Fait que là, j'avais tellement pris de poids. Puis en plus, tu sais, je veux dire, je me, mon corps était tellement en manque de, de, de nutriments puis de mais tout il oui. euh, y a tout gardé. Puis quand mes parents sont venus me visiter pour le 50e à ma mère, j'avais tellement mais j'étais pas pas juste du c'est pas du gros, c'était juste comme de l'eau et du je sais pas comment le dire, mais j'étais comme enflée. Là. Puis, comme l'effet de la rétention d'eau, un rétention, peu, mais comme partout. Ouais. Ah, ben non, j'étais. T'étais euh, enflée. C'est capoté qu que toute, tout, 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 tout. Puis, en tout cas, là, il y avait d'autres affaires qui arrivent. Là, genre, je prenais des painkillers parce que. D'autres gens de la dépression. La ouais. dépression ouais, okay. est arrivée. Ouais. Fait que là, quand mes parents m'ont vu dans cet état-là, je n'ai euh, jamais vu mon père pleurer de toute ma vie. Puis, c'est la seule fois que j'ai vu pleurer. Puis, ce soir-là, on est sorti pour le 50e à ma mère. Puis, euh, j'étais tellement saoule et gelée. J'ai dormi le matin. Je me rappelle même pas comment je suis arrivée chez nous. Il paraît que j'ai dit à mon père... Euh, Des fois, je prends le métro, j'imagine, mais c'est devant, puis ça me fait rire. Je me rappelle pas de ça, tout. Là. Parce que c'était peine qu'elle mélangeait de l'alcool. Exactement. Tout, là... Et j'étais ouais, ouais. sur une autre planète. Mais c'était comme autodestruction. Ouais, ouais. On dirait que mon corps. Jamais que j'étais tout. Tu sais, je vais dire jamais que j'étais tout Jamais que j'étais vraiment comme ça. Je pense que c'est juste le fait que mes parents étaient là. Puis c'est mon corps qui est fait. Déconcrèze-toi, là. Comme ça, tes parents, ils vont voir ils vont m'aider. Un... Mmh. Puis là, je me suis levée le matin. mais ben, le matin, hein, comme à 11 h euh, du matin. Les boîtes étaient déjà toutes faites dans mon appart. Mon père avait loué un camion, puis il a fait. Tu t'en viens à maison? Tu t'en viens à la maison. Oh! Waouh! Oh. Ouais. Wow. <laughs> fait que c'est là que tout est revenu, je dirais, à la normale. C'est mes parents que. Mais t'as commencé à te rétablir, ça a dû prendre un moment quand ah ouais, même, là. Ah non, mais maison, mais maison. mon Dieu, oui, 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 je dirais, ça fait déjà un petit bout de ça. Ouais. Puis euh... ton rapport à toute cette consommation-là de bouffe, là, on est cinq ans plus tard, six ans plus tard. De, de, de quand de, je suis revenue ouais. euh, de New York. Je suis mauvaise d'une date. Hein. Hey, je te dirais que moi aussi. Hey, je suis revenue en euh, 2005? Six, ah, okay, ça fait plus que... longtemps que ça. Fait que ça fait 20 ans. Ah, 26, 25. Voyons, 2015. 2015. On est en 2024. Ah, <laughs> <laughs> c'est ça, fait que ça fait comme neuf ans que t'es revenue. Ah, je suis revenu en 2030, bon, oui, euh, depuis la, la planète. Ça fait genre neuf ans que t'es que Ça fait depuis oui. que t'es revenu que t'as commencé un, un, un genre de pied de, de, après, de, de rétablissement. Oui, c'est vrai. Oui, excusez-moi, Pour les dates. Non, euh, non, mais moi aussi. Non, rien là. Ouais, on Oui, je te checkais, et j'étais comme, cest tu correct? Oui. Non, t'es partie en 2008, 2009 ouais, est pour là-bas. Ouais, je suis revenue, oui. Mettons, euh, je suis revenu en. 2016. ouais, à peu près. Et oh je... un, petit peu, un petit peu plus. Avant pandémie. T'as-tu fait une thérapie quelque hey, ben voyons donc, bien avant pandémie. Bon, De, ben 2017, 2016. 2018, maintenant. 2016, ça fait du sens, là. Ouais. C'était si parti là-bas en 2007-2008. T'es resté 7, 17 ans au début, après ça c'était 10, mais là je dis. Ah, je, je sais, gars. Yeah. Si t'es resté 10 ans, t'es revenu en 2017, 2016. Ouais, à peu à près. près. Ouais. Puis si t'es resté 7 ans, tu serais revenu en 2015, à peu près. Bon, bien avant la pandémie. <laughs> bien avant la pandémie, on parle d'un de presque quatre ans avant la pandémie là. Oh oui, ouais, ouais. Facile. Ah, oui facile. T'as ton établissement quand... commencé là, à ce moment-là. Oui. Ben moment même à ça, tu sais, je vais tout le temps avoir un, euh... fragilité. une fragilité, mais tu sais, avant c'était, je pouvais pas m'imaginer euh... aller au parc, aller marcher, aller d'une soirée sans penser. À la bouffe. Mm. C'était, tout était relié à la bouffe. Puis après ça, j'ai transformé ça en comme, ah, oh, waouh, je suis plus anorexique, je suis plus boulémique. Là, j'étais rendu alcoolique. C'était, je ne peux pas m'imaginer aller au parc, je ne peux pas m'imaginer dans, dans un événement, aller marcher dans la rue sans qu'il y ait de l'alcool impliqué. c'est tout a été transféré. transféré. Puis après ça, je ne buvais plus pas en tout. Là, c'était euh, l'entraînement. Mm. Et tu sais, il y a tout le temps... Un... Tu, pas, ouais. tu passais d'un tel à l'autre toujours dans l'excès. Exact, exactement. C'est comme un aussi. extrémiste dans tout, tout, tout. Ouais, tout, 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 ben, tout, tout. Les, ouais, les caractéristiques, euh, ouais. personnalité euh, ben, intense Exactement. Ben, là, c'est là que un autre enfant... C'est comme des hauts, des bas, uh -huh. des hauts, des bas. T'sais, depuis que je suis jeune, on me dit tout tant... le temps... Peut-être plus polaire, peut-être plus polaire. Là, maintenant c'est là que... Euh, quand je, là, je me suis installée à Montréal. Non, 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 j'ai commencé ma, ma compagnie de lingerie. Magnifique, d'ailleurs. Merci. Et euh, c'est là que tu as pu aussi que j'allais avec ça. Colin, gars, tu vois, je t'ai Ah, gars, yeah. ok. Non, bipolaire, c'est C'est ça, ben, ouais. gay, Et voilà, moi, puis mes problèmes de concentration. Et euh, en passant, à ça, ça fait une couple de jours que je n'ai pas pris euh, mes médicaments. C'est pour ça oui. que j'étais un petit peu perdue. Médicaments mais... de? De dé euh, polarité. Ok, il faut que aurais eu un diagnostic. Exactement. Oh. J'ai été officiellement diagnostiquée, mais je je penserai pas que je l'aurais été si j'avais pas été mannequin et j'aurais pas eu j'ai tellement fucké ma tête puis mon. mon Pourquoi? Tu si j'ai eu une, une conversation hier avec ma chum qui a aussi elle était mannequin très longtemps, elle a dit je connais pas une mannequin qui a pas un simonac de problème dans la tête après ça. Ça te fuck tellement de... de... Ça te que... brainwash, ah, finalement, brain... sur, mais euh... mais, hein, tu sur des mais habitudes de vie. Mais... Sur les perceptions, ouais, encore une fois. On a parlé de perception beaucoup, c'est ça. Hein, comment tu te vois, comment les autres te ouais. voient, comment tu dois être. C'est comme, j'ai passé de la fille qui était trop maigre, que le monde disait qu'elle était trop maigre à l'école, j'essayais je, je, de m'entraîner, prendre du pot, à euh, le petit gars de... de... C'est un agent dans une agence à New York qui fait comme « Faut-tu perdre du poids ?» Je suis comme « Ah oh oui, c'est vrai, je suis grosse. » C'est la personne, tu sais. Ouais. Ouais, ça, fait, ça, elle, imagine mon cerveau. Là. Fait que là, c'est bon ça. Pire, là. Fait que quand je suis à Morale j'ai été... Euh, une... hey, en fait, c'est... Euh, ça C'est ben, pas très drôle, mais je veux dire... Je me suis trompée de numéro de téléphone parce que j'avais une infection urinaire. Et je me suis trompée de numéro. Puis j'ai appelé... Euh, je sais pas pourquoi là, c'est en tout cas l'histoire de mon infectionnaire parce que j'ai été dans le spa trop longtemps puis... ça, ça arrive est... que ça se passe à ces bas c'est Exactement, seule ouais. que j'ai eu. ma paix. fille en a déjà eu euh, plein. Ça fait elle a mal. Même pas ans, tu sais. ouais, ouais. Fait que je voulais appeler d'une clinique puis je me suis trompée j'ai appelé la clinique qui s'appelle IPS c'est une clinique de... de troubles de santé mentale ouais. nanana ouais. Puis euh, là, je disais, hey, bonjour, oui, euh, excusez-moi. C'est parce que j'ai une petite infection urinaire. C'est la première fois que j'ai ça. Euh, je veux savoir euh, comment... que non, non, non. Hey, comment... Excusez-moi, madame, vous êtes dans une clinique pour santé mentale, pour les femmes. Mais voyons, hey, toi. J'ai fait... Est quand tu dis qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, j'ai fait, cest une joke? J'ai comme fait, hey, je voulais... J'avais dans ma tête mon infection urinaire, plus, bah, tant qu'elle a appelé un médecin, un médecin m'a peut-être faire des démarches pour appeler ben oui. pour. C'est sûr que j'ai un problème ben, mental. Ouais un, un, ouais, un problème Un enjeu de santé mentale. Exactement. Une fragilité, mettons. Mais je vous le jure, ça fait la être moment que c'est vrai, c'était une erreur. Mais voyons donc. De finalement. J'ai bouglé ça, j'ai fait comme. Je comme, ben, est-ce que vous avez besoin d'un médecin? Nanana. Et c'est là que j'ai fait. T'as dit? Wow. Oui, oui. J'ai fait comme, écoute, je, vais avoir un, je veux un rendez-vous. Non, non, non. Je, je sais que j'ai quelque chose. Puis là, hey, ça a changé ma vie. Là. Ça, ça, ça fait pas tant longtemps. Là. Wow, fais combien? C'est-tu mon Dieu. Hey, je suis gossante avec mes dates. Si hey, t'es mais... <laughs> pas gossante, c'est moi qui ai gossante, est gossante <laughs> aussi. Je sais même pas mes dates. Euh, Trois ans? Quatre ans? Eh bien, mon Dieu, je venais d'emménager avec... Euh, avec gars, ton ex? Euh, David, ça veut dire... Quatre moi, qui Qu'elle fait quatre ans, c'est ça. <laughs> Ça fait quatre? Ça fait quatre. Ah, ouais, non, mais là, je n'étais pas diagnostiquée pendant tout. Non, ça fait peut-être trois ans. deux, ouais, deux trois ans, je suis diagnostiquée. OK. Puis pas mais je le sais depuis... Depuis longtemps. Pense qu des... Depuis jeune, que je suis jeune, il fille que je le sais, que j'ai quelque chose, mais je pense à déclencher des... Hey, Excusez-moi, je suis fatiguante avec la chaise. J'espère qu'on ne l'entend pas trop. Hein. Bon, mmh. même si on l'entend. Moi, je n'avais hein. même pas bon. entendu. OK. Bon. Yeah, ça, c'est yeah. Bon. Yeah. Mais, euh, OK, ouais, t'as un diagnostic de bipolarité, dans le fond. Ouais, Est-ce que... que la médication a commencé là, dès le diagnostic, ou ça a été un enjeu de, de discussion? J'en prends, pas sûr d'en prendre. Ah oh, non, pas. je le savais que j'en avais de besoin. Okay. Et en plus, une affaire qui m'a vraiment aidé, parce que moi, je commençais à, euh, après la fin de MeToo, non, 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 j'ai décidé d'être euh, sub sob, sub, dont c'était vraiment beaucoup parlé. C'est là, là qu'on s'est ouais, rencontrés, d'ailleurs. Ah, oui, on avait connecté pour ça. Puis, euh, un enfant qui m'a aidé, ça a dit Tu commences tes médicaments, faut vraiment pas prendre d'alcool. Non, non, non. Et j'ai fait Oui. Okay. J'en prenais vraiment pas beaucoup. De, de... Tu sais, je veux dire, c'était une petite dose de médicaments. Ouais. Mais ça, ça m'a aidée à ne pas consommer d'alcool. Et hey, là, je pense que ça, c'était la meilleure année de ma vie. Là. Ah, oui. Oui, mais avant que la simonac de pandémie arrive, puis que. Ouais. Que... là, ouais, je retombe dans mes mauvaises habitudes, mais là, là c'était là, je travaillais euh, j'allais à job, parce que tu sais, je pouvais pas rester chez nous, donc j'étais en mode il euh, Faut que je fasse de quoi? Faut... si je bois pas, je fais rien, cette donnez-moi quelque chose ouais, à les faire. Fait que, là, là. j'avais commencé à travailler ouais, pour self, cool. ma chum ouais. de fille qui ouais. a des. Ouais. Par... En plus, mon Dieu, il y a t une place là Tu fais des petits trucs de bain, du sel, des huiles essentielles. J'allais le matin chercher ma chum Karine en auto on allait faire du hot yoga après ça on partait en, en bixi on allait jusque dans, dans le vieux après ça on allait travailler toute la journée on revenait hey, hey, j'étais en mode l'alcool ne me passait pas deux pieds ça par a de ça thérapeutique d'abord mais mais mon dieu mais un mais mais, mais mais je veux dire c'est là que j'ai découvert comme ah ta je peux être heureuse sans euh, consommer. sans consommer ça être sans être dans l'excès quoi que ce soit mais en même temps il fallait que j'aille au yoga le matin. fallait mm. que je fasse du vélo. Si ah, je n'arrivais pas en sueur à job, j'allais faire un tour du bloc. Quand tu ça, c'est quelque en chose que tu t'imposais à ce ouais, moment-là encore. Ouais. Mais c'est de l'obsession. C'est une... une obsession. C'est une genre d'obsession. Tellement... Finalement, tu n'es pas guéri. Non. <laughs> mais est-ce est qu'on livre vraiment? Mais non, on tu pas. Non, tu le sens. Non, je serais jamais. C'est un travail d'une oui. vie. Tu sais, c'est ça là. Puis après, c'est tout le temps. Mais oui. mais gars, Comme. juste un. Mettons un petit exemple. Là, je sais pas si on s'éloigne trop du sujet. Non, pas tout. Okay. tout. Là, euh... moi, je suis. Ouais, je. Ben là, je dis moi. Je l'ai invité moi. <laughs> <laughs> oui, toi. Oui, toi, Charlie. Oui, euh, j'ai tant temps comme euh, tant je fasse de quoi ou que tu j'ai un petit projet, ouais. là, Comme euh, je dis également, j'ai un temps de quelque chose, j'ai décidé que, bon, c'était le printemps, Moi, m'a lavé mes petites fenêtres de l'appart. <laughs> 12 heures plus tard, l'appart au complet est à l'envers. <laughs> je t'entraîne. Hey, J'ai fait, là, je pourrais montrer des photos. Là. Mon appart, en ce moment, t'es venu, il ne mm -hmm. voulait pas tant longtemps. Ça ne ressemble plus à ça, pas en tout. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, j as changé ta chambre de place, tout ton salon est et. Je te jure, là, tu pourrais... Tu veux-tu faire chez nous? <laughs> hey, je te jure. Regarde, c'est une autre affaire qu'on s'en va là. Ah, mon Dieu. Et tu peux euh... rester là la hey, toute la journée, j'en ai tellement dit. Absolument. J'ai tout lavé, quand je dis tout la là, c'est il n'y a même pas un dessous de soulier qui a des petites graines en dessous, moi. Okay, tout... J'ai la fois je lavé l'appart, j'ai tout timé tout ton linge. Hey, je pense puis... que je me j'avais un swiffer par la gorge, je pense que je me suis sorti <laughs> par le derrière et <laughs> hey, je te jure là, j'ai mon appart elle est spick and span en et ce moment. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es rendu là, là dans cette espèce d'immense toc de ce genre Oh, j'ai lavé mes fenêtres puis j'ai fait comme t'es rendu là c'est okay. -ce comme aussi dit ça. C'est aussi, ouais, c'est un petit ouais. peu. Ouais. Tu Mais -tu ça, de je veux dire, genre parce que t'as plein d'émotions qui non, se passent dans ton corps en fait. Non, c'est énuméré quand es... que je fais rien. Non, okay. c'est ça. Ça prend ça. quelque chose. Mais je suis ça. Je comprends ça. Ouais, ouais. Quand tu fais rien, tu... Puis là, j'ai euh, décidé de euh, parce que là, je garde les chiens à ma chum, fait que euh, j'ai décidé d'aller chercher des petits puppads au euh, au Puis là, j'ai comme fait, je passe à côté des, de, de la terre fait que j'ai fait ah oh, vais m'acheter deux petits sacs de terre j'ai mm -hmm. tout replanté mes plantes hier <laughs> tu sais moi c'est comme c'est tout mer. ou rien mais t'es efficace et... en même temps ben oui ben c'est ça c'est un bon où euh... tu vois le positif là dedans là ouais mais euh... j'arrête pas mais je fais pas d'argent en ce moment ouais. c'est ça comme tu es capable que... de t'arrêter un moment et de te dire Shut down », là, puis je me mets sur mon divan, je fais du Netflix pendant 6 heures, mettons. Ça sert à rien de faire du Netflix. Non, c'est pas ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que, tu quand je suis dans un crash, dans un crash, ouais, quand quand t'es dans le côté dépressif. dans un crash, quand t'es dans une dépression, c'est fort dépressive. Non, es tout le temps. Ça va bien et je te, je, je le plafond vierge pour le nettoyer. Ou j'ai envie de me... chasser <laughs> en bas d'un pont. C'est ah, si est... deux les extrêmes. noirs, euh... noire, t'es pas encore... Es pas... Ben, pas encore. Mais ben, je dis... en t'avoue que j'ai extrêmement hâte de revoir ma médication. Ah ouais? OK. Euh... Ça, ça t'aide vraiment beaucoup? Ah, oh, Ça m'aide vraiment beaucoup, mais c'est juste, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas... Tu le sais que c'était pensé que c'est de la merde, là. Ah, oh, jamais que je vais rien faire Tu ne le crois de... pas, là. Non, 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 non. Okay, non c'est Jamais de ma vie que. Non, non, non. Puis s'il y a une raison pourquoi que je ferais jamais un mauvais mot, c'est maman, papa. Et... Ouais. Ouais. Jamais de la vie que je ferais ça. Mais oui, je sais pas pourquoi on parle de ça. Mais non, mais c'est important, parce que dans le Oui, fond, mais je veux dire, non, jamais, jamais que je ferais ça. C'est juste que j'ai vraiment des. Tu sais, ou pensées noires, mais tu sais, self. Autodestruction, oh, mais ouais, jamais ça. que j'irai à mauto moto, wow, ouais. moto slash euh, consommation, des affaires comme ouais. ça. Tu sais, des fois, euh, autodestruction, quand je dis je suis vraiment aussi quand je dans un dent on dirait que je fais exprès de laisser des affaires traîner chez nous pour avoir le plus de okay. Pour quand je remonte, je me sente encore mieux. Je sais que c'est con. Là. Parce que tu as des choses à ramasser? Oui. OK. Genre, je fais pas ma vaisselle pendant deux trois Pour jours. Pour montrer à quel point tu peux aller dedans? Oui. Okay. Je sais que c'est non, non, intéressant. Ça te fait sentir bien après. Exactement. Mon hop, il va être encore plus hop en me disant comme wow. Mon, mon évier était tellement okay. plein. Maintenant, il est tellement vide. Parce que non, je n'ai pas, de... mais ah, pas de la vaisselle. pas de la vaisselle. J'avoue que... <laughs> Ah, t'as vu elle, elle n'a pas de la vaisselle. n'a pas de la vaisselle? Eh, moi, ah, j'en ai, ai un portatif. Ça me gosse en tabarnak oh. parce que. Mais je l'aime bien pour vrai. Mais je ne l'ai pas utilisé pendant un an que j'ai emménagé là parce que ça me gosse en tabarnak. Qui portatif, il faut que je le sorte de son trou. Je l'amène devant le lavabo C'est long. Plug. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai plus accès à ma cuisine. Que... Ah, tellement. Mais j'allais dire que je suis un peu comme toi, parce que des fois. Excuse-moi, en plus, tu sais... je t'insulte. T'inquiète pas, que tu as là ou je? Ouais, je pense qu'on a arrivé trop C'est un peu. Euh... Mais ouais. moi, j'ai jamais eu de la vaisselle avant d'avoir. Ouais. Non, même. mais c'est hot, ah, t'as la vaisselle, pour vrai. C'est tellement mieux faire la vaisselle. Moi aussi Ben, vaisselle moi, ça détend. Moi, la vaisselle, hey, ça me détend. Ouais. ça, je mets des petits podcasts de true crime, puis après ça, je me demande pourquoi je suis bizarre. <laughs> c'est excellent. Wow. C'est excellent. Ah oh là là, wow. <laughs> je... non mais ah, c'est fou te sais, te à quel sais, point. Ben la santé mentale c'est l'affaire la, de tous. C'est vraiment oui, qu'éternne. Oui. Mais, mais ouais, ouais, ouais. Parce que j'avais même pas vu qu'il était vide. C'est on est tous. Ah oh, wow, t'as tu fui comme un s'entraide? Attends, je vais y aller de ma main gauche. Bon. C'est dangereux. On est tous affectés. On a tous. Vous oh. m'écoutez pas. Euh, plus. Ben excusez-moi. Oui, <laughs> Je t'ai concentré. Il ne demande pas de me verser de l'eau pour <laughs> la s'écouter. Euh... La Et tu t'es aussi? T'as pas remarqué? Euh, euh, non, moi non, je, là, je gâche pas le. Ouais, même... mais là, c'est parce oh, qu'il y a ouais, du monde. Ouais. Il y a du monde qui nous écoute juste dans l'auto, fait qu'il nous voit pas. Les ah, oui. autres on voit. Ah, oui. Ben oui, c'est vrai. C'est que... ben oui. Pour ça que je pose la question, est fois. rien. De quoi? Rien. Donc. Hey, c'est le fun, on s'écoute pas bien. Ouais, c'est incroyable. Moi, j'ai tellement un, <laughs> un moment d'écoute active. <laughs> Je capote ma vie. Non mais pour vrai, c'est quoi pourquoi qu'on est rendu là hey, On parlait Non mais on parlait de ménage. Oui. Puis là... Là, oui, c'est ça. Dans ouais. le fond, je disais juste que vous m'écoutez pas, j'essayais de dire quelque chose que j'avais pas de la vaisselle. Je voulais pas Mais toi ça, la ça te détendait, toi ça te détendait de faire la vaisselle Oui, ça me détend. Oh, oui, moi, moi j'ai arrêté de fumer la cigarette. Il y a avant hier. Non. <laughs> non, ça fait, ça fait 11 ans. Ah oh, ouais. Ça fait 11 ans. Ouais. Mais Puis quand j'avais arrêté. Merci, quand j'avais arrêté Ma smoke d'après-souper, là. Oh. Tu sais que je l'aimais, man. Ah ouais. Quand j'avais commencé le... à faire la vaisselle, ah ben à me ramasser. Ouais. Ah ben, c'est ben, ça. Ça. ça a été mon truc, ça a été mon truc, ouais. Fait que je me suis rétablie de cette addiction-là en faisant la vaisselle. Fait que le faire ben, la vaisselle... C'est ça, c'est tout le temps un quelque chose, quelque chose pour... Ben oui, ouais, ouais. pour remplacer, tu sais. Mais ça, moi, quand, quand je... Ben, ben non. Non, mais vas-y, Mais moi, tu sais ça, fumer, j'ai jamais été accro, mais moi, c'était pour m'a couper l'appétit, ben oui. ou tu sais pas penser. C'est ça coupe euh... l'appétit, solide. ça, ouais. ça m'écoeurait. En plus, là, je me lavais les mains sept fois. Après, après tout ça, je chante plus. Mais tu sais, j'avais mal au cœur parce que je venais de fumer. mal ouais. au cœur. T'as pas envie de manger. Il nous reste déjà presque plus de temps. Oh, oui, hein. Ça va se faire. Non, non, non. Mais juste savoir. Euh, puis après, aujourd'hui, euh, comme qu'est-ce qu'on te souhaite dans ton dans ton pied après du moment par rapport à ta vie, par rapport à. À tout ce que tu vis, à tout ce que tu as traversé? Et tabarouette, euh, j'avais pas pensé à cette question-là, tu aurais du monde. Ouais. <laughs> non, c'est euh, ça la beauté de la chose, non, rien de préparé. Euh, on dirait euh, moins stressé. Moins stressé. Moins stressé, euh, m'aimer pour qui je suis, puis accepter, euh, je pense, qui je suis, sans me demander ce que le monde pense de moi tout le temps. Puis mm. de... On a parlé beaucoup de ton corps. Si tu te regardes quand tu sors de la douche, est-ce que tu t'apprécies? Est-ce que tu es en paix avec ça? Non. Okay. Pourquoi? Est-ce que tu l'étais plus à New York, maintenant, en paix avec ça? Je serais jamais en paix avec okay. ce que j'ai l'air. Puis demande à quelqu'un qui était même pas mannequin. Personne Merci. va dire je suis parfaite. Moi je... Mais c'est comme ça que tu t'améliores. Non, pas que je suis oui. parfait, mais non, non, je m'accepte, mais... je m'aime, pis... Moi, je suis ballonnée, ben, gars, <rire> <rire> je l'as sorti, j'en reviens pas. Et on en parle <laughs> depuis un matin. Gars ouais. as-tu vu, qu'il y a personne ben, qui ouais. va être content. Mais gars là, je dans ma semaine, là j'étais en mode... Ben, euh... puis moi, quand j'avais 15 ans, puis j'étais à l'école de cycle... Oui, <laughs> j'avais 15 ans à l'école de cycle, j'avais un 8-pack, puis j'étais en shape, puis là... Ouais. Ben c'est beau a... que... je puis tu sais, je... ben, sais qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter je sais qu'est-ce que je veux oui. absolument vas-y euh, retrouver mes cheveux ah. Ah. j'ai tellement perdu de cheveux à cause du stress, stress anorexie, ouais. boulimie. puis plus, je suis en train de faire un traitement. Ah! Oh. Si vous pouvez toutes euh, croiser vos doigts, souffrir. On va prier pour toi. Absolument. Pour que je que, je je, que mes petits cheveux repoussent. Ils sont beaux tes cheveux par exemple. En je, suis fais de blonde, je fais plus blond, je ne touche plus à rien, ouais. à part mes, mes doigts puis mes mes, mes, mes petits traitements. Ok. Puis, um... Ok. Fait que tes cheveux, on lui souhaite des cheveux. Oh, on oui. souhaite des cheveux. Mon Dieu, c'est tellement mais, superficiel. Ce que j'aimerais, c'est des cheveux. Mais je te souhaite <laughs> quand même de garder euh, l'étoile que tu as dans tes yeux. Parce que ah, là, as... ouais, Oui, t'as une belle étoile dans les yeux. Ah, vous êtes donc ouais, un C'est Pour de vrai, j'ai vraiment passé un Simonac de beaux moments. Il ben, va falloir qu'on crée un je pense. Ça a été tellement <laughs> facile. Vrai. Et euh, je me sens... J'avais complètement oublié cette histoire-là. Moi, j'étais en mode l'organe. Ce pas ton premier micro. Euh... <rire> <rire> ni ton premier barbecue. Non. non ni mon premier rodeo. Ah, Jean-Chaud, oui, pas. C'est pas ton premier catwalk. <rire> non <rire> Ca plus. Catwalk? Oui, c'est ça. Oui, catwalk. Ouais, catwalk. catwalk. Oh, dit hey, ça encore? Euh... Non, pas. le encore. Tu as un une affaire qu'il faut que je dise. Il ne faut pas dire. Ah, tu as fait... Quand ça... Moi, j'appelle ça un défilé. Oui? Ouais. Une parade. Ah, oh, t'as fait parade une parade de mode. Maintenant, ah. ah. euh. Mais non, qui, qui dit ça? Hein, ouais, une parade, c'est avec des clowns, qui... des ballons. Mais oui, pis... c'est la parade du Père Noël. Oui, j'arrête pas de crier, sur <laughs> fier. Mais est-ce là, on a. Je suis pas sortable. Euh, le son est bon, là. Ok, parfait. Je voulais dire de quoi, puis je l'ai oublié. Oui, puis tu nous avais dit, retenez ça, puis je l'ai retenu oui. jusqu'à il y a cinq minutes, puis je m'en rappelle plus. Je voulais te le conscience, dire. Conscience, mais... prise conscience. Non. Non, non, non c'était un petit mot bien simple, puis euh, ah. ah, Gaspard. je dis, on va Ben oui, on va ça puis euh, pis après, pis après ben, tu, on te vite. Hey, là, oui, n'importe quel. Après... Cas, je pourrais en compter des histoires et des histoires et des histoires. Tomber sans connaissance? Ah oui! Excuse. C'est ça que tu avais dit, retenez ça, tomber sans connaissance dans l'ascenseur. Puis toi, tu nous as retenu ça. Ah oui, ok. T'évanouir. Bon, okay. euh, euh, je me suis fait vraiment chicaner et sacré dehors de la maison Calvin Klein parce parce qu'après huit heures euh, debout, sans boire, sans manger, j'ai perdu connaissance. Puis je me suis fait vraiment chicaner. Puis ils m'ont foutu d'or de la maison. Ah, bien. ah parce que j'ai perdu connaissance. J'achète plus là. Ah <laughs> non, oh. non mais le c'est qu'il était full smart, c'était même pas. Euh, c'était pas euh, Francisco Costa qui est le, le, le oh, designer, ouais. c'est Calvin Klein il, il fait du surf. Il existe. Oui oui il okay. y a comme. Euh, il en est coupe avec euh, Triple couple, il <laughs> vit sa vie euh, sur le bord de la plage. C'est -ce un bon sujet, là. Puis après, euh, le polyamour. <laughs> <'ai> dit... ah. <laughs> <J 'ai> dit... <laughs> après ça, c'est moi qui... Non! Hey, okay. oh, mon... excuse okay. on, non, on non. coupe la parole. Mais... Quoi? Non, non, il n'y a pas de problème. Je veux vraiment revenir parler d'autres affaires de ce genre-là. Oh quoi? mon Dieu, j'ai d'autres affaires à faire. Tu peux rester jusqu'à 6h30, si tu veux. On te je... rembarque à 7h. J'ai tellement faim, je peux pas. Non, mais non okay. hey, Justement, hey, on finit-tu là-dessus? Toi, es-tu du genre là, à sortir, tu es capable d'aller te taper deux poutines? Tu te donnes-tu le droit de faire ça? Je ne tellement pas à poutine. Moi, du okay, pain, tu as du pain dans ta poutine? Non, moi, des frites molles. Moi, ça, puis des des hot chicken, ah, ah. des vols au vin, pas capable. Hey, ils sont bons les miens. Oh, ils sont bons. Tout le monde dit ça. Non. Ouais mais moi c'est vrai. Ah hey, moi je vais te manger un tomahawk au complet là. Je vais manger là. Okay, avec. mais est-ce que tu te prives pas tu Non vois... je me prive plus mon dieu. Peu importe. Ton boisson. On santé. Caler, tu manges ce que tu veux. Ton santé. je mange maintenant. Qu'est-ce que je veux Mais si mon corps me dit c'est fini toast", je veux dire. Ça je mange plus 17 sept pointes de pizza. Si je vais en manger une, si j'ai envie de manger une pizza. Mais si j'ai plus faim, j'ai plus faim. Maintenant, c'est ça la différence. Oui. Ton poids santé aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce euh, que tu le sais? Je hey, je sais même pas, non. je pèse combien je, je pèse combien? Je dirais peut-être 125? 125? 125, 130? C'est okay. okay. hey, Mais, mais je n'ai plus le droit d'avoir de, 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 de... de balance assez ah, haute. Bravo. Moi, Parfait. Tant mieux. J'ai aucune idée, puis je m'en fous. La, la seule affaire, c'est que je me réveille le matin, que je sois productive, ouais. que j'aille marcher, que j'aille courir, que j'aille au gym. Peu importe si je vais, si je ne vais pas, je m'en fous. Tu le fais pour toi. Je le fais pour moi, puis aujourd'hui, je ne suis même plus obligée de prendre 17 tablettes de laxatif pour aller aux toilettes. Ça, c'est cool. Ça, ça, ça c'était la plus belle. Je sais que c'est con, excusez, je parle des caca avant de partir. Non, non. Mais je vais te dire, aller aux toilettes sans prendre de laxatif, c'était, je, je pense, la tellement. plus belle affaire qui m'est arrivée de toutes mes vie. Wow. Ah, Parce que j'ai passé de. Euh, je pouvais. Tu sais, je, je me faisais chier. Ouais. Et euh, si tu t'en prends pas faut pas oublier que les intestins, c'est aussi un muscle et ah, ça ouais. a une petite mémoire. Ouais. Donc, euh, si j'en prends pas, je ne vais pas aux toilettes. Je vais passer trois semaines sans aller aux toilettes. Ah! ah ben tu as ballonné aujourd'hui, on s'en reparlera, moi, après euh, mes... Mais, mais, euh... wow. Ballonné un jour, ballonner toujours. Euh, ballonner, euh, ballonner, on s'en reverra en mai. Hein, fait, euh... wow. <rire> <rire> euh, non. Merci, <laughs> okay. Charlie mais... Payé. Attends, dernière fois, oui. je m'excuse, oh, mais... Bon euh... Euh, si on parle d'image, quelqu'un qui te pose une question sur ton poids, tu lui dis quoi? Oh, je réponds à. Peu importe si me demande mon. Moi, je suis extrêmement honnête. J'en ai zéro filtre. Si Mais ça, demande... ça dérange pas, genre, il ah, n'y a, bon, a plus de, Dieu, tabou, y a pas de tabou. Pas en tout. Okay. Pas, je serais pas ici en ce moment ça me. Déranger d'en parler parce que je serais vraiment. Ouais, non, c'est sûr. Je serais en merde. J'avoue. Non, mais c'est c'est fou le tabou là, de parler de poids, ben de oui, ci, de non, ça. Mais ça. moi, non. je. Ben gars, si t'as pas envie d'en fait en parler, tu te dis, écoute, je parle avec ça. Puis. Ouais, hey, voyons. On peut parler de tout. Mais ben, je... oui, tu sais, pourquoi que c'est normal de dire euh, t'es trop mec, mais c'est pas non. normal de dire à la fille. Euh, t'es trop, trop, trop grosse. Les deux. Les deux, c'est ça. Là, le gars. Hey, gars, parlez de ce que vous voulez. Si vous voulez pas en parler, parlez-en pas. Si vous voulez, parlez-en. C'est pour ça que je suis aujourd'hui ici et j'en parle et sinon, ouvertement. C'est extraordinaire. Et sinon, faites-moi pas chier. Ben c'est ça. ça. C'est ça. Sinon, t'en as eu. <laughs> on est en masse. En masse à parler. Que Charlie Paillet euh, de mon cœur. Merci. Ouais, merci. Merci à vous. C'était vraiment le fun. Je On sentait vraiment comme dans mon salon. Ouais, on est comme dans un salon. Ben c'est vrai. Ça. Puis on merci. vous revoit euh... pour un autre, un autre euh, Puis après. Puis après, c'est maintenant. <laughs> Bye! Bye! Merci! C'est là.